Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect. Et nous repartons dans notre phase d'exploration que nous avions entrepris dans les épisodes précédents. Donc nous irons à faire de la même manière, hein. Ça veut dire qu'on atterrit sur les planètes. J'explore entièrement la planète tout seul, puis après on se retrouve vers les bases entre guillemets d'intérêt que nous pouvons découvrir et explorer ensemble pour affronter les ennemis. Donc nous sommes dans le secteur attendez, dans le secteur Voyager et le système Amazon de mémoire. Non, c'est pas ça. Donc voici la carte. Nous irons à la balise ensemble. Mais avant, je vais aller explorer tout ce qu'il y a dans cette zone à explorer, bien évidemment. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà. Sachez que pour l'instant, je n'ai exploré que cela, hein. Donc vous savez maintenant où se trouvent les trois gisements de ressources. Et nous allons tout de suite explorer la grotte. Et après, nous terminerons l'exploration de cette planète. Une fois que nous aurons retrouvé cette sonde égarée comportant une tête nucléaire. Voilà. Le signal provient d'une mine? Un piège. Ce doit être un piège. Je suis d'accord. La sonde ne s'est pas écrasée. Quelqu'un l'a mise ici. Ils ne savent peut-être pas sur quoi ils sont tombés. Trouvons la bombe avant qu'ils ne la déclenchent. Bien compris, Shepard. Au fond d'une mine, quand même, une sonde, hein. Ouais. Bon, vous constatez que les mines ont globalement une architecture à peu près commune, hein. Au milieu, un grand bordel, si je puis dire, où c'est le plus souvent difficile de circuler. Et au fond, deux couloirs en gros d'évacuation, un ou deux, ça dépend. Et globalement, c'est toujours le même schéma qui se répète. Une charge sismique. Quelqu'un a fait ça délibérément. Shepard. Enfin. Je ne vous connais pas. Je m'appelle Alenos Aliat. Vous ne devez pas savoir qui je suis. À votre avis, Shepard, qui dirige les clans Terminus? Des milliers de pirates, des esclavagistes, des criminels de tout poil? Dans la plupart des organisations criminelles, c'est celui qui est considéré comme le plus fort. Exact. Celui qui tue le plus d'hommes, capture les plus grands vaisseaux, pille le plus de colonies. Il y a 3 ans, j'étais le plus fort. J'ai usé de mon influence pour constituer une flotte. Nous comptions chasser votre espèce de la bordure. Gas, vous avez choisi honnêtement d'être un rescapé de... des dévoreurs, mais plutôt d'être un héros lors du raid skillien, là le dialogue sera différent. Parce que c'est. Parce que vous étiez en première ligne de cet épisode-là. C'est vous qui avez organisé l'attaque sur Elysium. J'étais l'instigateur, le leader, celui qui promettait gloire et richesse à qui ravagerait la plus grande colonie du secteur. Et celui qu'on a tenu pour responsable de l'échec. À cause de votre espèce, j'ai tout perdu. Mais quand j'aurai éliminé le premier spectre humain, qui pourra encore me cracher au visage? Mon équipage va venir me chercher. Qu'ils viennent! Nous l'attendons! Un vaisseau de guerre de l'Alliance, ça ne se refuse pas. Oh!
Au cas où vous n'auriez pas remarqué, les minerais qui nous entourent contiennent des métaux lourds. J'ai bien peur que les radios de vos combinaisons ne soient pas assez puissantes pour émettre de cet endroit. Mon équipage va venir me chercher. Qu'ils viennent. Oh, désolé, au cas où vous n'auriez pas remarqué, les minerais qui nous entourent... Ce n'est pas la meilleure solution, Aliat. Vaine parole de condamné. Adieu, Shepard. Qu'allons-nous faire, Shepard? On a de l'air, de la lumière et le Normandie est toujours en orbite. Cherchons une autre issue. Vous n'avez jamais le temps de vous enfuir, vous devez désamorcer la bombe. Tac ta 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 ta. Ah, j'ai perdu une seconde. Ta 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 ta. Je vous suis, commandant. Nous sommes sauvés. Bon. Vous voyez que c'est pas très dur de désamorcer cette bombe quand même. Bon, il a fait effondrer cette partie-là, hein, de la grotte. Quant à nous, on va sortir par ce tunnel. Mission Inferno. Ça, c'est bien. Les gars, avant de nous diriger... Les gars, parce que vous voyez, le Mako a changé de place. C'est pour ça, en fait, que je n'ai pas exploré entièrement le secteur. Attendez, juste que je vérifie... Oui, il est juste un peu plus haut. Comme ça, on évitera de faire des allers-retours inutiles. Hein. Mais j'ai totalement paumé. Ah voilà. C'est tout près de la sortie. Hein. Et de mémoire, c'est... Je sais plus ce qu'il y a dans cette sonde. Allez, on va regarder ensemble. Du matériel. C'est ça. Donc maintenant, nous allons récupérer le Mako. Il y a deux techniques. Si vous êtes quelqu'un qui est spécialisé avec le sniper, vous avez une amélioration sniper, prenez votre sniper. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui joue au pistolet, bon, vous pouvez vous amuser à les tous les tuer de loin. C'est tout à fait faisable. Sauf que moi, j'ai une autre technique. Prenez un arc assez long. J'ai assez long, vous voyez. Vraiment, évitez de descendre tout droit. Vous pouvez courir, hein, de toute façon, ils sont un peu sourds, les ennemis. Courir. Et là, maintenant, vous sprintez au Mako. Hop, et voilà. Est surtout très pratique quand vous jouez en hardcore, des niveaux de difficulté plus élevés. Hélas, c'était vraiment tenu du mal pour être dans ce pays. Que de temps perdu. Maintenant que vous êtes de retour à Sova, vous pouvez de nouveau joindre le Normandie par radio et tenter de se tirer d'ici. Mais non, que nous allons maintenant finir d'explorer cette planète. Vu que les deux objets qui restent sont pas très loin, on va les explorer et les chercher ensemble. Donc le premier est juste ici. Donc là-bas, vous voyez, c'est quand même juste à côté. De mémoire, je viens de la passer. Ah, je suis passé sur le cadavre sans me rendre compte. On récupère l'artefact. Un emblème turien récupéré. Et un peu plus loin, nous avons le dernier lieu à fouiller de cette région de, cette planète, plutôt, devrais-je dire. Mais sachez qu'après l'exploration de cette planète, nous repartirons vers la citadelle, il y aura une ellipse. Et on se retrouvera devant l'amiral... je ne sais plus comment il s'appelle.
L'amiral qui nous a demandé de retrouver ces hommes, que malheureusement qui étaient morts, ces hommes. Donc là, nous avons découvert le code de la marque Nexus. Bon, ça c'est plus un mystérieux. Nous avons tout récupéré. Et nous pouvons donc partir de ce... Attendez, je ne vous ai pas montré la carte, excusez-moi. Donc voilà, vous, vous prenez ça en ressources. Vous allez ici, vous ressortez après, juste ici à peu près. Vous pouvez facilement... C'est juste à côté, donc vous pouvez aller là. Pour récupérer le Mako, vous voyez. Ça rentre tout de suite là, donc c'est vraiment très rapide pour finir après cette mission. Qui n'est pas très compliqué. C'est ainsi que nous terminons quand même le système Amazon, c'est ça, de secteur Voyager. Donc je vous rappelle que nous avons fait déjà Artemis Tau, Hades Gamma et le secteur Voyager. Donc après nous irons faire Régimo Sigma, mais avant on va retourner à la citadelle. Hein. Et moi je vous dis à tout de suite, soit à côté de l'amiral, soit à côté de la diplomate. Donc nous revoilà comme promis, hein, je suis déjà à la citadelle. Et nous aurons... Ah c'est vrai, c'est le vice-amiral Kaoku que nous avons retrouvé son unité, malheureusement décédé. J'ai demandé. Commandant, du nouveau concernant mes hommes? Je regrette d'avoir à vous l'annoncer, amiral, mais vos hommes ont été tués par un dévoreur. Comment? Un dévoreur? Non, ce n'est pas... Mes hommes ne seraient pas tombés dans le nid d'un dévoreur comme ça, pas l'unité tout entière. Quelqu'un les a attirés avec une balise de détresse de l'Alliance, placée de telle manière qu'ils ne pouvaient que se poser à côté du nid. Bon sang, je me doutais qu'il y avait anguille sous roche. Une balise de l'Alliance utilisée comme appât, mon unité qui disparaît, comme par hasard. Personne n'est au courant de rien. Commandant, je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait. Je dois maintenant informer les familles de ces Marines de leur tragique destin. Je peux faire quelque chose? Pas pour l'instant, Shepard. Merci. Je vous recontacterai si j'ai du nouveau. Ça arrive. Vous avez remarqué comme les arbres et la fontaine sont en totale harmonie avec les arches de la tour? Ils ont capturé à la perfection l'esthétique protéenne. Il y a Emily Wong aussi, ici. Commandant Shepard. Ah, commandant. J'ai une proposition à vous faire. Depuis que vous m'avez aidé à obtenir des informations sur le syndicat du crime, mon éditeur me soutient à fond. J'enquête sur une nouvelle affaire. Les conditions de travail des contrôleurs spatiaux. Je me demandais si vous pourriez m'aider. C'est un sujet un peu moins palpitant qu'un scandale de corruption à grande échelle, non? Au contraire. Il ne s'agit pas de gens qui s'enrichissent illégalement, mais d'un grave problème de sécurité au travail. D'après les rumeurs, les contrôleurs spatiaux sont soumis à des conditions de travail exténuantes. Moi, je ne peux pas accéder à la salle de contrôle. Mais vous, si. Placez un mouchard et j'aurai mon article. Mettons que vous fassiez votre article. Et après? On peut espérer une motion d'amélioration de leurs conditions de travail en augmentant les effectifs et les ressources. Cette motion, le Conseil ne l'adoptera pas spontanément. Mon article va leur forcer la main. Vous espérez trouver quoi avec ce mouchard? Je ne veux pas pirater le système de contrôle si c'est ce qui vous fait peur. J'ai juste besoin d'établir une corrélation entre leur activité et l'encombrement du trafic. Tout le monde sait que les contrôleurs sont surmenés. En quoi c'est un scoop? Il y a surmenage et surmenage, commandant. Le trafic spatial de la citadelle a augmenté de 300% en un siècle. Mais les effectifs des contrôleurs sont restés les mêmes. Chaque semaine, on frôle plusieurs fois la catastrophe. Un de ces jours, on ne fera pas que la frôler. Ce mouchard que vous voulez que je place, il ne risque pas d'interférer avec les signaux radio? Absolument pas. Je m'en suis assurée. Je ne vous promets rien, mais si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. Donnez-moi le mouchard. Parfait. Il suffit de le placer sur un terminal avec une bonne vue de la salle. Merci encore pour votre aide. À long terme, cette affaire va sauver des vies. Bon, on a récupéré aussi une petite quête secondaire, vous voyez, en explorant. On va s'en occuper après, hein. Donc il y aura beaucoup d'aller-retour dans la station, il y a toujours des petites quêtes secondaires qui s'éclenchent à droite, à gauche, donc ne vous inquiétez pas. Alors là, nous allons revoir Danara, si je ne me trompe pas. Elle nous avait dit que sa sœur était enlevée, en réalité sa sœur était une terroriste, pour faire simple. Donc il est temps de découvrir
pourquoi elle nous a menti. Ah, c'est Nassana et sa sœur, c'est Damara. Moi. Alors, vous avez retrouvé ma sœur? Talia est morte. Et Davia. Je sais qu'elle vous faisait chanter. Ah, je vois que vous connaissez la vérité. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Comprenez bien que j'étais obligée de vous mentir. Si les autorités avaient découvert que ma sœur était une criminelle, j'aurais été considérée comme un élément dangereux. On m'aurait relevé de mes fonctions ou mise au rancard le temps qu'elle soit appréhendée. C'est pour cette raison que je vous ai menti. Je ne voulais prendre aucun risque, mais maintenant que Dalia est morte, ce n'est plus un problème. Si vous m'aviez simplement dit la vérité, je vous aurais tout de même aidé. Oui, vous avez sans doute raison. Pardonnez-moi, je n'ai jamais appris à faire confiance aux autres. Manifestement. Je vais effectuer un petit versement sur votre compte. C'est ma façon à moi de vous remercier. Je suis sûre que la somme vous conviendra. Pour une jeune diplomate, avoir le soutien d'un spectre peut s'avérer très utile. Faites un geste et je vous renverrai l'ascenseur un de ces jours. Vous avez raison. Des crédits, on en trouve partout. En revanche, je peux vous donner accès au dernier prototype de modification Asari. Je vais vous rajouter à la liste des clients privilégiés de notre fabricant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Au revoir, Shepard. C'était un plaisir de traiter avec vous. Donc là, nous avons débloqué une nouvelle licence. Cet endroit est étrange. Journal. Ouais, parce que nous venons de terminer une quête secondaire, en fait. J'aurais préféré voir plus d'humains. Aussi en profiter pour faire quelques emplettes. Les achats. Ouais, ça sera un petit épisode de... Comme toujours, hein, tout ce qui est achat, tout ça, je vous le montre. Hein. C'est plus palpitant quand même que de regarder... Donc ici, c'est quartier des finances. C'est plus intéressant que l'exploration. Donc comme toujours, je vous rappelle que vous avez votre vendeur sur Normandie. Qu'à chaque fois que vous arrivez sur une planète, ben, son stock change. Hein. Commandant, ces salutations sont... Enfin, à partir du moment que la planète, c'est par exemple la citadelle, c'est par exemple des lieux de commerce, ouais. Cherchez le nom. Commandant, c'est... À partir de ce moment-là, vous avez des modifications. Bon. Ça, par contre, je prends explosion à fusion. Ouh. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Que des niveaux 10 en plus. Commandant, c'est... Alors, armure non humaine. Alors, je cherche une armure légère carienne plus efficace que celle que j'ai. Ah non. J'ai rien dit à armure que 6 niveau 10, donc il n'y aura pas mieux. Attendez. Je fais un renfort cinétique, précision mouvement. Voilà. Toi, t'as un droit d'esquiver. Et t'as déjà un renfort médical niveau 10, donc je vais te laisser ça. Toi, t'as un renfort médical niveau 10, tu vas voir. Et des boucliers niveau. Dans les packs de combat, c'est quoi? Hop, ça. Bon, vous voyez, j'ai 3 millions quand même. Hein. Ça part certes très vite, les 3 millions, dès qu'on achète du matériel niveau 10. Mais d'un côté, faut bien qu'à un moment ou l'autre, ça sert à quelque chose, cet argent. Comme toujours, je vous rappelle que ce qui est conseillé, c'est d'avoir une armure Colossus niveau 10 et des améliorations de bouclier dessus. Bonjour. Bien. Que de bons produits. Armure humaine, qu'est-ce qui peut me... Ouh, attendez. Ah, c'est Turian. Oui, bonjour. Bienvenue. J'allais dire, c'est génial que c'est une des deux meilleures armures du jeu, mais non, c'est... C'est pas le bon type d'armure. Moi, il me faut des armures humaines. Alors, retournons voir aussi notre cher... fan, c'est notre fan. Bah, je cherchais le nom, c'est un fan. Comme vous qui regardez mes vidéos, vous êtes tous des fans. J'ai eu une idée. Vous devez m'écouter. Je vous écoute. Avec toutes ces attaques,
Un spectre, ça va faire juste pour toutes les colonies humaines. Qu'est-ce que vous diriez de m'engager ? Conrad, non, ce n'est pas une bonne idée. Allez quoi ? Je ferai un spectre du tonnerre ! Et on montrerait au conseil de quoi les humains sont capables ! Je sais que vous avez perdu votre équipe sur Akuzé, et que ça a dû être sacrément dur, mais moi, vous pouvez me faire confiance. Et votre femme, Conrad ? Elle vous fait confiance, non ? Vous n'allez pas la laisser seule ? Quoi ? Comment ça ? Vous savez ce qui me motive ? Savoir que grâce à moi, les gens vivent en paix. C'est ça le ciment de l'humanité. Vous tous. Vous avez raison. Je voulais juste me rendre utile, mais je me suis laissé emporter. Vous m'avez ouvert les yeux. Je rentre chez moi. Merci. Enfin, je m'en suis débarrassé de celui-là. Et je me suis fait 8 points de consécration, donc c'est génial. Ravi de vous. Merde. Alors. Des modes de grenade, c'est bien ce que... armure... vraiment que de la daube, hein. Sans vouloir être méchant, mais... Infirmerie, maintenant. Ah oui, moi j'ai tout exploré là quand même, hein. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas venus. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de ces médicaments pour ma clinique. Oh que si. Sinon votre histoire ne restera pas secrète bien longtemps. Ne me décevez pas, docteur. Commandant Shepard, je ne vous avais pas vu entrer. À chaque fois que je débarque, il y a quelqu'un qui vous menace. C'était qui ? Un fantôme de mon passé. Je m'en charge. Je peux peut-être vous aider ? Je me suis fait virer de mon boulot précédent pour avoir donné des médicaments gratuitement à des cliniques comme celle-ci. Je n'ai jamais fait l'objet de remontrances. Ils voulaient juste que je m'en aille sans faire d'histoire. Mais quelqu'un a dû fouiller, et maintenant on me fait chanter. Je dois leur donner ce qu'ils veulent. Si le directoire découvre mon passé, je pourrais perdre ma licence. Ils fermeraient ma clinique. Je peux peut-être vous sortir de là ? Dites-moi ce qu'ils veulent. Je dois donner une partie de mes médicaments à un marchand des Halles. Il faut que je livre aujourd'hui. Donnez-moi le nom de votre contact, je m'occupe de lui. Mais si vous faites ça, ils ne vont pas mettre leur menace à exécution ? Je m'assurerai qu'ils n'en parlent à personne. On m'a dit de parler à un marchand nommé Morlan, aux Halles. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Bien sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais Morlan. Je vais te faire la peau, un de ces quatre. Allez, cette fois-ci, on va faire le... Vous voyez, plein de dépassements rapides, là, je vous en ai tous les petits trajets à pied. Hein. Comme ça, on fait aussi plein de petites quêtes secondaires. Par contre, Morgan, il va s'en prendre, là. Hein. Qu'est-ce que... Je vous rappelle qu'on est venu voir son matériel il y a quelques minutes. Bonjour. Bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne... Vous attendiez une livraison de médicaments ? Mais je croyais que c'était le docteur qui me les apporterait. Les choses ont changé, Morlan. Un changement ? Mais le docteur, je ne... Il y a quelque chose qui ne va pas, humaine. L'affaire Morlan ! J'avais bien dit à Bage que tu foutrais le bordel. C'est quoi ce merdier ? Toi, t'es qui ? Laisse le docteur tranquille. Au pire, file-moi les médocs et tout se passera bien. Sinon, je raconterai partout le petit secret du docteur. Tu fermes une clinique. Et si quelqu'un a besoin d'un traitement ? Et si toi, tu tombes malade ? Hé, tranquille ! Je suis qu'un intermédiaire, moi. Moi, je suis pas assez bien payé pour m'embraguer là-dedans. Merci, humaine. Ça fait du bien de le voir humilié de la sorte. Qu'est-ce que vous savez sur Benz ? Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai travaillé qu'avec celui qui parlait au docteur. Qu'est-ce que vous savez sur Benz ? Je ne l'ai jamais rencontré. Très bien. Comme vous voulez. Alors, journal. À bientôt, humaine. Estorquer quand même une clinique. On va revoir le cher docteur, donc infirmerie. Commandant, comment ça s'est passé ? Il ne vous ennuiera plus. Vraiment ? Vous m'ôtez un poids de la conscience. Merci. Je ne peux pas vous payer pour votre aide, mais je vais vous faire une réduction sur tout ce qu'il y a à vendre ici.
Le criminel travaillait pour un certain Baines. Ça vous dit quelque chose? Il y aurait bien Armistan Baines, un collègue avec qui j'ai travaillé il y a longtemps. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet? De ce que j'en sais, l'armée de l'Alliance lui avait proposé un contrat de recherche du côté de la Travée. Peut-être le capitaine Anderson en saura-t-il plus sur cet homme? On peut toujours lui poser la question. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Je peux faire autre chose pour vous, commandant? Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être donc passé. Vous avez des réductions pour tout ce qui est achat de son matériel. Ça peut être pratique, surtout en début de partie. Hein. Alors, le SSC, nous avons un mouchoir à poser, je vous rappelle, également. D'après, nous irons voir le Captain Anderson pour, en gros, traquer ce Bane. Parce que, stalker une clinique médicale, ça se fait pas. Un officier du SSC. Bonjour, commandant. Non. On va voir, ça n'a pas d'autres quêtes secondaires que j'aurais pu oublier. Content de vous voir, commandant. Donc, le mouchard, on va le poser juste à droite. Alors, nous irons de nouveau dans notre citadelle, puis aux ambassades pour prêter Anderson, et puis après nous partirons, s'il reste un peu de temps, trouver ce Bane. Dans la travée de mieux. Donc, comme vous voyez, ce jeu a énormément de quêtes secondaires, donc moi je vous conseille vraiment de prendre votre temps pour tout explorer, bien évidemment. Tour de la citadelle. Ça vous permettra de 1 de vous bien vous imprégner d'univers et 2 vu que toutes les quêtes sont intéressantes, faites-les. Je reçois déjà des relevés. Ça va faire une histoire incroyable. Merci de votre aide. Tenez, c'est tout ce qui me reste du budget de mon éditeur. C'était un plaisir. Bonne chance pour votre histoire, elle mérite d'être publiée. Merci. Tout ce que je souhaite, c'est que des vies soient sauvées. Encore merci. Je file montrer ça à mon éditeur. Voilà. Et d'ailleurs, on va juste regarder un truc. Commando. Conciliation, on a bien monté. Bon, on est toujours un peu pragmatique, mais c'est pas trop grave. La grande différence, c'est que les personnes pragmatiques, peu importe les pertes côtes, les pertes civiles qu'il faut, le plus important, c'est d'arriver à ses fins. Qu'un conciliant, le but, c'est d'être la sauvegarde du plus grand nombre, on va dire. Mais évidemment que souvent on est un peu des deux, on peut pas être totalement conciliant, pas totalement pragmatique. Oh, attendez. Il y avait une autre page de connexe. Ah d'accord, c'est ça. Je croyais l'avoir déjà pris, mais non. J'ai entendu parler de vos exploits dans le secteur Artemisto. La destruction d'un site protéin, ça n'a pas franchement déchaîné les vivas du Conseil. Ceci n'est pas un jeu, ambassadeur. Le commandant Shepard essaie d'empêcher sa reine de détruire la galaxie. Je sais, mais essayez d'être un peu plus prudente. Le Conseil vous observe et l'humanité sera jugée d'après votre comportement. Oui, commandant ? Que savez-vous sur Armistan Baines? Où avez-vous entendu ce nom? Laissez tomber. Je ne veux pas le savoir. Baines est mort il y a déjà longtemps. Les personnes à qui j'ai parlé avaient l'air de penser le contraire. Tout le monde n'est pas au courant. L'armée tient cette information secrète. Baines travaillait dans le plus grand secret pour l'Alliance. Je n'étais même pas au courant de ses activités. Un jour, on l'a retrouvé mort dans un vaisseau de reconnaissance à la dérive. Tout le monde a pensé à un meurtre. Mais il n'y a jamais eu d'enquête officielle. Que savez-vous sur son vaisseau? Pas grand-chose. Allez poser la question à l'amiral Kaoku. C'est un de ces hommes qui a découvert le corps de Baines. J'ai vu Kaoku, mais il ne m'a jamais parlé de ça. Essayez de glisser le nom de Baines la prochaine fois. Peut-être qu'il vous en parlera. Autre chose, commandant? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose... Donc il faut parler à l'amiral Kaoku. En fait, en y réfléchissant là, je crois bien que j'ai fait une petite boulette.
Qu'en fait, normalement, il faut activer cette quête-là avant de dire à Murakaoku que ses hommes sont morts. Bon, c'est pas grave, hein. C'est qu'une quête, donc ça arrive. Et oui, j'ai oublié. Bon bah tant pis. On aura une quête qu'on pourra pas faire. J'avais totalement oublié ça en fait. Bon c'est pas grave, hein. On va continuer. De mémoire je crois que c'est l'exploration d'un vaisseau en fait. Et in fine on apprend en fait que Ben n'est pas mort et on va Tali, plus ou moins finir. Ne craignez-vous pas que le retour des Geth génère de la haine contre votre peuple? Les Geth ont tué des milliards de Kariens et nous ont chassés de notre planète d'origine. Nous avons payé notre erreur au prix fort. Si seulement toutes les races pouvaient voir les choses sous cet angle. Après peut-être, il arrive parfois qu'on arrive à activer certaines quêtes rien qu'en explorant. Donc peut-être y arriverons-nous. Mais je n'en suis pas certain pour vous dire. Et cette fois-ci, nous avons sûrement exploré, je sais pas, la travée. Je sais pas exactement quelle planète. Hein. Ah bon, retournons au Normandie. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Donc, allez hop. La carte galactique. Local, on fera dans le prochain épisode. Non, il n'y a pas eu d'autres planètes, d'autres sous-secteurs qui sont apparus. Attendez, il n'y en a pas deux. On a fait les deux. On a fait deux d'Hades Gamma, j'ai un doute en fait là. Un message pour vous, commandant. C'est arrivé par canal sécurisé. Shepard, ici l'amiral Kaoku. J'ai découvert qu'il a tendu un piège à mes hommes, ceux qui ont été tués par le dévoreur. Bon sang, j'espère que vous aurez ce message. C'est une organisation spéciale de l'Alliance, Cerberus. Leur activité est ultra confidentielle. Ils ont disparu il y a quelques mois en coupant totalement les ponts avec leur commandement. Personne ne sait où ils sont allés, ni même ce qu'ils faisaient. Ils sont devenus complètement incontrôlables, Shepard. Ils effectuent des expériences génétiques illégales dans le but de créer une sorte de super soldat. Je n'ai aucune preuve, mais j'ai trouvé les coordonnées d'une planète où ils font leurs recherches. Je vous les transfère avec ce message. Ils sont totalement ingérables. Quelqu'un doit les arrêter. J'ai fait mon travail, maintenant c'est à vous de jouer. C'est sûrement la dernière fois que vous m'entendrez, Shepard. Cerberus me colle au train, il faut que je disparaisse avant qu'il me retrouve. Et voilà, vous savez déjà ce qui va nous attendre, hein, retrouver Cerberus. Donc on va juste explorer tout ça pour savoir ça. J'ai comme l'impression d'avoir déjà expané... Je crois que je suis déjà venu sur Trébine en fait. Attendez, on va vérifier ça tout de suite, de toute façon. J'ai exploré Trébine. Hop. Attendez. Bah, journal, on sera.
Donc, ce secteur on l'a déjà fait, donc. On va faire le suivant. Enfin, le suivant de système, ce que je crois en avoir fait qu'un des deux, donc je préfère être certain. Évitez de vous dire une bêtise que... Ouais, on a déjà fait deux. MSG Ontario, c'est bien sûr. On va vérifier. Allez hop. C'est ça, on l'a déjà fait. Donc, j'avais bien raison, on a déjà bien fait toutes ces quêtes. Enfin, ces deux secteurs-là. J'aurais dû regarder les vidéos précédentes pour être certain. Voilà, secteur Voyager, Amazon, on l'a fait. Maintenant, c'est Yangs. Alors, je crois que c'est débloqué par l'amiral Kouaku. Agoku, c'est plus. On va analyser tout ça, on va se poser sur la planète, et s'il nous reste un peu de temps, on l'explorera dans cette vidéo, sinon ça sera dans la prochaine. Dès que je vais donner de protéines. Ici, Drady. Du métal léger. Tutorium. Bintum. Comme toujours, je prends toujours ces deux personnages là. Vous verrez toujours mon commando avec eux. Je préfère vous le dire tout de suite. Et nous voilà sur la planète. Bon, je vais vous laisser pour l'instant. S'il reste un peu de temps, on finira cette vidéo ensemble. Sinon, je vous. On va voir ça tout de suite, donc je vous dis à tout de suite. Donc comme je pense à la vidéo quand ça se fait longue, je vais éviter de faire un épisode de 40 minutes. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.